Il allait dans cette direction. Dans ce cas, c'est dans cette direction que nous irons. La bannière de Kikuchi. L'une de nos bannières. Un guerrier de Nagao. Les archers de Nagao ont tué beaucoup de Mongols. Leur talent était sans égal. Si seulement Ishikawa-sensei avait été là. La bannière de ton oncle. Lors de la bataille, quand je voyais ses couleurs à terre, je craignais que ce ne soit mon oncle. Seul un fou n'a pas peur de la mort. Elle mène à travers les rochers. Nos bannières. Uchikage. Un ami de mes fils. Il a dû rester à leur côté. Ils doivent être tout prêts. Par ici. Ils ont abandonné leur mort. Comme de vulgaires déchets. Non. Shige-sato, Yasunari, vendus comme des animaux. Nous devons les détacher. Ils devraient être avec leur famille, enterrés aux côtés de leurs épouses et de leurs enfants. Nous rendre jusqu'à Ariake serait risqué. Y a-t-il un lieu près d'ici où les enterrer, avec l'honneur qui leur est dû? Près du phare. Ils aimaient jouer là-bas, quand ils étaient jeunes. Mais les Mongols s'en sont emparés. Alors reprenons-le. Le phare, il est de ce côté. Ils adoraient grimper dans cette tour. S'ils ne rentraient pas le soir, je savais que je les trouverais ici, admirant les étoiles. Tous les enfants ont ce genre d'endroit. Le mien était ainsi près. Je ne voulais jamais en descendre. Quand j'étais tout en haut, tout me paraissait possible. Y compris te briser le cou. C'est ce que disait ma mère. Pour mon père, c'était une étape nécessaire. Et qu'en pensait ton oncle? Quand j'étais dans son château, je n'avais pas besoin de grimper aux arbres. Les voilà! Vermine mongole! Tout de suite.
Attention, il peut y en avoir d'autres. Ils gravissent la colline. Attention aux herbes. Là, à travers les arbres. Il en vient sans cesse. Je n'en vois plus aucun. C'était les derniers. Alors, il est temps. Allons chercher mes fils. Je ne voulais jamais qu'ils passent la nuit ici, même quand ils ont grandi. Je voulais toujours qu'ils rentrent à la maison. C'est ce qui m'a le plus manqué quand ma mère est morte. Sa voix, lorsqu'elle m'appelait. Réjouis-toi de la savoir en paix. C'est une chance. Fais-moi savoir quand tu voudras secourir le Seigneur Shimura. Tu m'as été d'une grande aide. Je te suis redevable. Mais pour l'heure, j'aimerais passer du temps auprès de mes fils. Je comprends. Au revoir, Masako. Thank you.
seigneur Shimura est en vie. Tu veux parier? S'il était mort... Si j'étais son neveu, je le laisserais moisir dans ce château. Vraiment constructif. Réfléchis. Certains arcs sont des œuvres d'art, monseigneur. Vous ne disposez pas des matériaux requis. Je suis navrée. À une prochaine fois. Faites bon usage de votre arc. Votre arc doit-il être remis en état ? À mi-chemin entre Goryeo et le reste du Japon. Monseigneur, je peux vous aider à améliorer vos lames. Pardonnez-moi, vous n'avez pas ce qu'il nous faut pour effectuer le travail. Je ne peux rien faire de plus pour l'instant. Puisse votre acier rester tranchant et robuste. Je travaille toutes sortes d'armures. Il n'y a pas plus résistant. Ah, il vous faut plus pour effectuer ces améliorations. Vous serez mieux protégé. Je vous remercie.
après une chute. Une technique où ils sont plus nombreux. Je dois être plus rapide. En tuer un pendant que l'autre saigne encore. On ne peut pas abandonner. Plus vite, Kage. Seigneur, accepteriez-vous de m'aider ? Qu'y a-t-il ? Je dois me rendre à un camp dans les bois, là où vivent des gens gravement malades. Il leur faut un guérisseur. La région est envahie de bandits et de Mongols. En effet, j'ai besoin d'un protecteur. Je peux vous y escorter, mais cette maladie me préoccupe. Vous êtes sûr de pouvoir la combattre ? La maladie n'a pas besoin qu'on la combatte. Elle a seulement besoin qu'on la soigne. Si ces gens sont aussi malades que vous l'affirmez, il faut nous hâter et empêcher la maladie de se propager. Merci, Monseigneur. Avez-vous survécu à la bataille de Toboda ? Grâce aux soins d'une femme, Yuna. Elle m'a récupéré sur la plage et m'a remis sur pied. Elle a l'air d'une guérisseuse émérite. L'une des personnes les plus courageuses que je connaisse. Je ne serais pas ici sans elle. Ma mère a fait de même pour moi. Enfant, j'étais de nature fragile, mais grâce à sa connaissance des herbes, elle m'a rendu fort. C'est en son honneur que je suis devenu guérisseur. Attendez, j'aperçois quelque chose devant. Vous avez l'œil ? Restez ici, je vais m'en charger.
Ne nous faites pas de mal. Envoyez votre meilleur guerrier. Ils allaient nous tuer. Vous ne devriez pas voyager seul. Nous avons dû quitter notre ferme, monseigneur. Tout le monde y est malade. À quoi est-ce dû ? Les esprits, ce sont nos ancêtres qui nous punissent. Au lieu de nous battre, nous avons donné nos réserves aux Mongols. Et après leur départ, nous sommes tombés malades. Notre domaine est maudit. Il y a une auberge un peu plus loin. Vous y serez en sécurité. C'est bien trop dangereux dehors. Rentrez, mettez-vous à l'abri. Merci. J'espère simplement que les esprits ne nous suivront pas. Allez ! Vous n'y allez pas de main morte avec cette épée. Et qu'auriez-vous fait face à ces bandits ? L'expérience m'a appris que des paroles fermes, mais polies, peuvent porter leurs fruits. Vous avez donc de l'expérience avec les bandits. Je crois simplement qu'il faut s'efforcer de résoudre un problème calmement avant de recourir à la violence. Des paroles de guérisseur. Vous ne vous êtes pas trompé de voix. Guérisseur ! Guérisseur ! Quel soulagement de vous voir ! Omyo, qu'y a-t-il ? Que se passe-t-il ? C'est mon fils. J'ai l'impression qu'il a avalé du poison. Conduis-moi à lui. Et les malades qui sont au camp ? Nous avons trop tardé. Ça ne me prendra pas beaucoup de temps. Je vais vous aider. Tâchons de faire au plus vite. Merci, monseigneur. Qu'a-t-il mangé ? Je n'en sais rien. Nous n'avons rien à manger. Je vais chercher ce qu'il a pu manger. Merci, monseigneur. Ce n'est rien que de l'eau bouillie. Le panier à riz est vide. Il n'y a que de la paille. Des champignons sauvages, à demi mangés. Voilà l'explication. Je dois prévenir Anaoka. Vous avez quelque chose ? Des champignons à demi mangés. Idiot ! Il devait être désespéré pour les manger. Je peux préparer un antidote, mais j'ai besoin de mousse aquatique. Restez avec lui. J'irai trouver de la mousse.
Oh.